virus est dangereux. Quedez en pencas à la casa. Le virus est dangereux, restez chez vous. C'est le message diffusé en catalan et en français dans les rues du quartier Saint-Jacques plusieurs fois par jour. Un dispositif pour que la communauté gitane prenne conscience que l'heure est grave, avec en son sein 4 décès qui pourraient être liés au coronavirus. 2 au nord de Perpignan, 2 à Saint-Jacques, dont une jeune femme patiente du docteur Jean-Paul Ortiz, néphrologue. Il sonne l'alarme. Aujourd'hui, les cas que nous avons diagnostiqués sont très majoritairement dans la population gitane. On ne peut pas l'affirmer pour tous. En tout cas, on a des décès qui sont indiscutablement imputés au coronavirus et qui sont issus de la population gitane. La situation est très grave. Il faut absolument obtenir de cette population qui respecte les règles élémentaires, en particulier de confinement. Il faut qu'ils apprennent à rester chez eux. Je sais que c'est difficile, ce n'est pas leur culture. Mais il en va de leur survie. Pour ce médecin, pas question de stigmatiser une communauté. Mais les faits sont là. Les facteurs de risque, obésité, diabète, insuffisance rénale, y sont fréquents. Joint par téléphone, un représentant des Gitans de Saint-Jacques se dit particulièrement inquiet. Ce matin, j'ai vu une ambulance, je l'ai suivi pour savoir qui c'était quand même. Vous voyez ? Vous dites qu'on voit même la police, qu'on voit n'importe quoi, maintenant on a peur. Moi, je fais le porte-à-porte aussi. Et maintenant, je pense que non, j'ai bien compris. Et ce soir, je tournerai aussi pour qu'ils soient confinés comme tout le monde. Et la police municipale diffusera ce message en soirée, dans la nuit, jusqu'à ce que la population prenne la mesure de l'urgence.